Bonjour à tous, c'est Gemma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est arrivé dans un supermarché chinois à Paris et c'est aussi le lieu du tournage du film. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui de Happy Night. Aujourd'hui, le tournage de ce film vient de se terminer. On a de la chance de pouvoir interviewer le réalisateur et les acteurs de ce film. J'ai trop hâte de parler avec eux, donc venez avec moi pour découvrir ce film. C'est parti! Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Moi j'aime bien ce type de style en fait, qui se passe entièrement dans le même milieu. Ouais. Quand j'étais encore dans le lycée, j'ai vu le film de Zhang Yimou. C'est votre film chinois préféré ? Exactement. J'adore Zhang Yimou, j'adore Zhang Jiankui. J'adore tous les films de Wong Kar Wai, Andy, j'ai rencontré avec Anna Harim, j'ai parlé avec Kodé, j'ai montré le scénario. Et mes goûts, je m'intéresse beaucoup par rapport au style.袁倾出心里爱，清洗你愁与恨。《封神榜》里面的妲己也是一个非常非常经典的一个小角色，非常单纯的女孩子，改变的变成一个很妖媚，然后很心狠手辣的一个女孩子。是我最美的时间就是30岁的时候，然后就所以留下了非常好。其实我觉得您一直超级美，然后包括今天近距离看您也是，能不能跟我们女孩子们分享一下是怎么保持一直以来都这么的美丽的优雅？不会因为我什么年纪我就改变自己，我还是有很多东西，还是有很多理想，很多梦想。而且我的理想就是希望可以为电影奉献，我现在做到，可是我还需要拍更多好的戏。因为我知道有很多喜欢我的粉丝，这是我第一次，就基本上是素颜去出演一部剧。素颜的感觉就是很符合这个角色，非常的干净。国内可能我的年龄和身高都会有点不太吃香，好像听说在这边的话，好像会稍微受点欢迎。就是因为我们觉得个子高的女生很有魅力。国内的表演是会比较素一点，但是形象其实蛮大的。本期节目的最后呢，我们很荣幸地邀请到了这部电影的制片人之一丽丽和我一起来做节目。就是期待他在中国还有法国2021年可以上映，希望大家能收看。那是我们出到了不是 video， 阿边哥，拜拜。我是法国的徐艳艳。